Pardon. Excuse. Viens, moi j'arrive de là-bas. Excuse-moi. Tu viens avec moi ? Viens, on arrive de là-bas. Action ! Action, hein ? Nous sommes trois musiciens. Enfin deux, parce qu'il y a Thomas. Vous voyez ? T'as entendu pas ce film ? Oh, comme c'est curieux ! Alors, on fume pas, là. Vous ici ? Vous ici ? Oh. Jean-Pierre, une clope au bec ? Ah non ! Film ! Ah non ! Attention ! Oh, curieux ! Oh ! Mais c'est Kiki ! Bonne année ! Bonne année ! Maintenant pour regarder la caméra. C'est un peu le kamaté du Steve Vai. Allez, Tommy, sois pas. Allez, fais pas ta fiote, hein, t'as joué à Paléo et tout, tu fais pas chier. Tout le monde a dit que ce serait toi. L'unanimité, mon gars. Monsieur, tu t'approches, fais gaffe. Tu peux rien faire, mon gars, tu peux rien faire. Allez. Les filles, l'argent. Le pianiste. Ah, au cul. Je peux y arriver. Attends, vas-y, parle un coup là que je vois le volume. Bonjour, 1, 2, check, check. C'est parfait. Hein? C'est parfait. Mmh. Je dis quoi? T'as rien prévu? Ah ouais, c'est moi qui me fais engueuler après. On pourrait travailler dans le silence, s'il vous plaît? Salut. On y va ? On y va. Bonjour. Alors, je m'appelle Thomas Bourquin. Ça... On peut quitter la pièce, en fait. Voilà. Alors, je m'appelle Thomas Bourquin. Je suis le bassiste de Kiki Crétin de Steve Vai Experience. Salut. Alors, je m'appelle Thomas Bourquin. Je suis le bassiste de Kiki Crétin de Steve Vai Experience. Salut, je suis Thomas Bourquin, le bassiste de Kiki Crétin, putain. Salut, je suis Thomas Bourquin, je suis le bassiste de Kiki Crétin de Steve Vai Experience. Voilà, comme ça. Salut, je suis Thomas Bourquin, je suis le bassiste dans le groupe Kiki Crétin de Steve Vai Experience. Hello, je m'appelle Thomas Bourquin, je suis le bassiste de Kiki Crétin de Steve Vai Experience. Ça fait 2 ans que je joue avec, à peu près. Salut, je suis Thomas Bourquin, je fais la basse dans le... Salut, je m'appelle Thomas Bourquin, je suis le bassiste de Kiki Crétin de Steve Vai Experience. Alors bonjour, Jean-Yves Rouillon, je joue de la guitare au sein du groupe avec Kiki Crétin. Et puis je suis arrivé dans le groupe parce que je connais Kiki Crétin depuis... On va la refaire celle-là. C'est pourquoi combien de temps qu'on se connaît, Kiki ? Hein ? C'est un petit moment qu'on se connaît, hein ? Mais quand il jouait avec Christophe Meyer, voilà. Il jouait avec Christophe Meyer. Je l'ai vu aux deux clés, j'ai vu dans deux, trois dates où on a après bu deux, trois petits thés camomille. Et puis on a enchaîné sur la soirée, on a appris à se connaître. On va voir qu'on avait des atomes crochus, tout ça. Le folklore suisse, les Draous. On aime aussi beaucoup. On aime beaucoup aussi Santana, qui nous a beaucoup rapprochés, les deux. Et... Excuse-moi. Excuse-moi. Non, non. Excuse-moi, Kiki. Oh, je m'excuse. Désolé. De bon goût. Oui, voilà. Non, alors pour reprendre notre sérieux, en fait. Je commence. J'ai beaucoup bourlingué dans la musique, notamment il y a quelques années avec Hubert-Félix Thieffen, avec le groupe Machin. J'ai aussi une carrière personnelle, Jean-Pierre Robert, avec 2, 33 tours
Et puis, il faut que je m'arrête maintenant. Non. Alors, ma profession, c'est musicien, comme par contre, je recommence. 1, 2, 3. Alors, ma profession, c'est musicien. Je suis musicien comme je pense pas mal les gens de ce groupe. Mais change de couleur là. Bon, suivant. Je peux plus là. Là, il est. Même aux halogènes, je peux pas le garder comme ça. Appelez-moi Sébastien, il faut qu'il réponde. Il change de couleur. Il y a des chemises. Parce que le rouge, c'est le métal en fusion. Là, c'est l'état civil, on déconne. Nom, prénom, ce que tu fais dans le groupe, depuis quand tu y es. Tu critiques pas mon matériel, parce que j'ai déjà de la peine, après c'est tout. Le Bonjour, je m'appelle Sébastien Beuchat. Dans le groupe, je suis l'ingénieur du son. Je fais le son. Non mais non, on va pas dire des trucs comme ça. Quand faut que je sorte, tu vas me faire marier, lui, c'est pas possible, quoi. Alors, là, on en est là. Mm-hmm. Donc, cut. Et lui m'a demandé aussi de jouer d'harmonica dans ce projet de... C'était pas encore Steve Vai Experience, c'était... comment il s'appelle l'autre là Satriani. Voilà, Joseph Satriani. Kiki Crétin est un ami, mais c'est aussi un sacré manipulateur. Il arrive à nous posséder, et lorsqu'il sent que nous avons des fois quelques velléités de ne plus l'adorer, de ne plus l'aduler, il nous fait visionner des films d'horreur. Et c'est très dur de dormir après. Ah, et Kiki Crétin, oh, quel fabuleux personnage, ce Kiki Crétin. On a vraiment de la chance d'avoir dans le groupe. C'est quelqu'un de gentil, de doux et talentueux. C'est quelqu'un, je ne sais pas comment dire, du mal de lui. Vous voyez, c'est vraiment... Ah oh, ouais, il est fantastique. Rien que de le voir, de penser à lui, j'en suis tout émoustillé. Merci Kiki, merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un de très chouette. Je peux y aller? Je peux balancer ma méchanceté comme ça? Il est fantastique, j'adore ce qu'il fait. Voilà. Là, bon. Kiki Crétin, guitariste, musicien. Je suis à la base de ce projet de Steve Vai Experience. Et je peux vraiment dire que... Le problème, c'est tous les matins, c'est ces angoisses permanentes. Je me fais battre. Quand j'arrive en retard aux répètes, je me fais engueuler. Pourtant, je les paye, hein. Je les paye. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et à chaque fois, c'est le même problème, quoi. Donc, on m'a séquestré mes guitares. Je ne sais plus, je dois prendre une guitare qui est par là et tout. On m'a supprimé le vibrato, Jean-Yves m'a supprimé le vibrato, il ne veut plus que j'utilise mon vibrato, donc moi je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Franchement, je ne sais pas où on va comme ça, quoi. Donc là, hospice, tu tournes.
Les motos rouges en arrière. Il est de nouveau tout rouge. On s'en fout de ce qu'il fait. J'ai pas compris. Non, non, rien. C'était très bête. Il dit, mais on s'en fout du son puis du bruit qu'on fait. Puis moi je lui dis, un peu, genre, un peu comme Jean-Pierre dans Indiane. C'est bien ça. Quand tu fais que la flûte. Ah. J'adore. Et ça c'est génial. Ça j'adore. C'est bon, t'es prêt? C'est monstrueux. Ça coupe carrément. Il y a des coupes par dedans. Hein, là, coup, c'est toi qui as coupé là. C'est moi qui ai coupé. Ouais, mais c'est que le fichier est trop long pour le lecteur CD, ça. Ah ouais. Sans doute. C'est pas possible! C'est pas possible, ça coupe! Bah, c'est pas possible, ça coupe! Non, bah, non. Ah non, non. Voilà, c'est cool. Tu remets à la même place que t'étais avant. Prends les graves de côté. 17. En gaucher. Je pense que c'est pas naturel, hein. C'est terrible, hein. C'est horrible. Oh, oh. Ok, je l'ai. Donc en fait, c'est à ce moment-là. Voilà, à la fin, les deux. C'était un peu sec là, quand même. Attention, faudra fermer la mesure. Voilà, ouais, c'est bon. Il me faut juste un jack. Vous avez un jack? Tu sonorises le clavier avec le micro. Cut, tu remets au début. Pour ta guitare. Bah oui, bah justement, fallait qu'on prenne le clavier. On attends. Va le... Ok, vas-y, balance. Thank you.